Bonjour à tous sur Visual Ride. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris, au Grand Palais, pour vous faire découvrir les voitures exposées au grand public qui participeront au prochain Tour Auto Optique 2000. C'est parti! Ferrari, il y a une très belle surprise avec cette voiture qui est la toute dernière F8 Tributo. On va vous présenter ça en image. C'est le genre d'événement sur lesquels on fait des rencontres originales. Donc voici un gars qui fait comme nous, de la photo et de la vidéo. Et lui, il buzz sur Instagram, c'est plus de 10 000 followers. Je vous présente Ramsès. Il est super cool et lui, il n'a pas besoin de faire plusieurs prises pour qu'elle soit bonne. Hein. Derrière moi, il y a le carré des Porsche et il y a de quoi se régaler pour tous les fans de vieilles Porsche 911. Mais pas seulement, il y a aussi de la 356, de la 914, 914-6 avec les ailes larges, des véhicules très très rares comme les 911 RSR, c'est impressionnant. Aujourd'hui, ça peut être ouvert aux visiteurs, c'est avant tout les contrôles techniques de tous les véhicules qui vont participer à ce Tour Auto Optique 2000. Parmi toutes les Alfa Romeo présentes ici, il y en a une qu'on va reconnaître, c'est évidemment celle de nos amis de Wheeler Dealers, Thierry et Aurélien. Ça y est, c'est parti pour le Tour Auto. C'est parti là, t'es sûr? C'est demain matin. C'est quasiment le départ. Bon, en tout cas, oui, bien évidemment, on se retrouve ici au Grand Palais. Toutes les vérifications ont été faites. Ils nous ont validé. T'as ta licence? J'ai la mienne, donc normalement, effectivement, on devrait être dans les premiers à partir, parce qu'on est dans le plateau 3. Et dans les 20e. Dans les 20e, c'est ça, la sortie elle est juste là derrière nous, et en fait, donc normalement, bah oui, on sera dans les premiers à se rendre au château de Vaux-le-Vicomte, où le réel départ du Tour Auto Optique 2000 aura lieu. Thank you.
Et qui voit-on là? Notre ami Kevin, un habitué aussi des sports mécaniques. Camion, ouais, on va parler de plus sport canin, mais que de sport mécanique. Il y a du sport canin aussi, mais là on va parler de sport automobile. Allez. Donc t'es pas avec Jerry, tu l'as perdu? Jerry s'est barré, il m'a vu arriver, il s'est barré. Donc je vais la trouver. Il revient dans 2 heures. Voilà, donc Jerry, si tu m'entends, eh bien, je t'attends impatiemment. Et puis en attendant, bah voilà, je remplis des cartes. Et c'est ça, de faire un petit contenu vidéo un peu sympa pour le tour auto cette fois-ci après Wheeler. Il faut qu'on t'emmène voir du drift quand même, un de ces quatre. Il faut qu'on fasse du drift, effectivement, et il va falloir que tu me donnes des petites astuces et des petits cours, je crois. On a les pneus, on a l'endroit, il faut juste trouver une date. Et venez vous régaler. Avec le planning de l'autre banane, là, ça va être compliqué. Voilà, ouais, donc c'est Jerry. C'est Jerry qu'on attend. Voilà, voilà. C'est quoi, on va le faire entre nous. On va lui balancer les vidéos. T'as vu ce que t'as raté? Et puis on te le balance et puis tu feras moi ton malin un petit coup. Yes. Optique 2000 est très médiatisé. La preuve qu'il en est, derrière nous, nous avons Jean-Pierre Gagic, l'animateur de TF1 Automoto. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite visite du Grand Palais. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu pas mal de véhicules qui vous plaisaient et peut-être que vous les verrez sur le Tour Auto Optique 2000. A bientôt, ciao !